Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Rally d'Indonésie, un des plus durs du championnat. On va donc... Alors, le Rally d'Indonésie, le problème qu'il y a, c'est surtout qu'il y a beaucoup de sable en fait partout. On a accéléré, donc on va laisser l'accélération en maxi. On va voir les étapes. Là pour l'instant, mais ce qu'il dit, c'est aller-retour entre plage agréable et jungle. Un rallye exotique. Donc là on va avoir météo nuageux et là pareil nuageux c'est de l'asphalte ou de la boue et là c'est de l'asphalte ou du sable. Et nous au niveau des pneus on va s'accrénurer, des fois j'aurais pas su mis. Bon, c'est comme ça. On va continuer, c'est parti. Et allez, c'est parti. 5, d'Indonésie. 4, 3, 2, 1. Go! 3 à gauche. Long 2 à droite. Je vais juste faire les chats pour déplacer la fenêtre parce qu'elle est totalement excentrée de l'écran chez moi. Allez, c'est parti! 5 à droite, prudence, salut. C'est là où on va peut-être encore avoir l'avantage avec la Corolla d'avoir peu d'empattement. 4 à droite et 4 à gauche. C'est le plus dur mais je l'aime bien parce qu'il est assez... les décors changent pas mal des fois. 5 à gauche, élargie. Bon, on va être dans des rizières à un moment. Voilà. 2 à gauche. 2 à droite. Ouais, c'est cette partie là qui est plus compliquée, c'est la partie avec le sable sur le côté. Il suffit de toucher légèrement la partie sablonneuse, on perd toute la vitesse. 1 à droite. Énormément. 2 à gauche. 1 à droite. Sur crête et 1 à droite. 5 à gauche. Alors, il y a Indonésie qui me semble, quand il était arrivé dans le championnat des rallyes, justement, je pense qu'en 97. 96, je sais plus, avait fait énormément de dégâts. C'était un rallye qui était très compliqué, un peu comme le Safari Rally. 4 à droite. 3 à droite, se resserre. Et angle droit à droite. 2 à gauche. Sur crête et 1 à droite. Okay, j'ai repris un peu de l'avance, j'avais 2 secondes de retard. 4 à gauche. On est redescendu à moins d'une seconde. Il faut vraiment faire aucune erreur. On sort légèrement. Mais c'est un joli tracé, je trouve. Même pour la, sur la Play 1, on est sur PC, mais. Le fait d'avoir la mer sur le côté, c'était sympa. Par contre, on sent pas le soleil. Hein. Le jeu a du mal à nous faire les effets de lumière. Vous allez avoir pesté à l'époque. J'ai fait la saison sur Play 1, ce tracé, parce que c'était vraiment au poil du cul. 2 à droite, 1 à gauche, salut. 2 à droite, 2 à gauche, se resserre, et angle droit à gauche. 3 à gauche, 1 à droite, 2 à gauche, sur crête, et 5 à droite. À gauche, tu vas arriver. Oh, attention, arrivé. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, inquiète pas, c'est juste que j'ai changé de fenêtre. Deuxième temps, du coup, c'est Bakun sur la Mitsubishi qui fait le meilleur chrono. Et troisième, Yati quatrième, Kankun 5. Et si, Carlos Sainz, mon compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Roman Perra sur la Seat n'est qu'à 3 secondes hein, de Richard Burns. Cinq, quatre, trois, deux,
Allez, c'est parti, deuxième. Deuxième spéciale qui est, je pense, je trouve peut-être la plus belle des spéciales de Donésie, celle-là. Le fait d'avoir mis accélération maxi, on n'a pas beaucoup de vitesse, mais ça c'est pas. C'est bon, c'est passé, ou c'était juste. Alors les épingles au clavier, c'est très difficile de les passer parce que je peux pas vraiment utiliser le frein à main. C'est là où mon accélération va aider. Il y a quand même pas mal d'éléments à l'écran. Bon, il est assez varié. Voilà, on va pas avoir vitesse. Donc c'est compliqué. On peut regarder au plus loin possible. Dès qu'on replonge dans la forêt, là je fais gaffe. Je l'ai jamais gagné hein, ce rallye. Troisième ou deuxième, mais jamais. En fait, que sur PC, vu que c'est un peu plus lisible, je vais pouvoir. Et encore là, il n'y a pas les intempéries. Hein. Vous allez voir qu'après, quand on est dans la boue, ça peut être la même. On a un temple. C'est joli, hein. Visite. Il fait pas un rallye pour gagner, il fait juste un rallye pour visiter. Parfait, 8 secondes, c'est pas mal. C'est pas mal, 8 secondes. J'aime, c'est excellent, parce que c'est beaucoup d'un coup. Ça me permettra d'être plus tranquille pour les prochaines spéciales, où ça va être peut-être un peu plus difficile. Piruliati 2ème, Kankonian 3ème, Macré 4, Bird 5, Sainz 6, 7, Pinotieri 8ème, Backlund et Magnus sur la Skoda, 2 secondes seulement. Elles s'en sortent bien, les 1 d'euro motrices. On était à Beauroc. Un beau euro, parce que c'est le cas en. Apparemment. En malais, en malais. Alors. Du coup, classement, on est à 17. Non, n'importe quoi, on est à. Je sais pas lire, incroyable. On est à 12 secondes de Liatti, donc ça c'est bien. On va enregistrer, bien sûr. On va du coup, alors on va commencer par réparer le moteur qui a quand même pris tarif, hein, mine de rien. C'est pas comme ça, mais la voiture elle a pris pas mal de chocs. Et donc les étapes 3 et 4, on va avoir du coup, cette fois-ci, on va avoir de la boue humide. De la boue humide, là c'est de nuit, de la boue humide. Alors ça va vraiment être les pires, regardez-moi ça. Regardez-moi cette spéciale. Donc là on s'en prend pas et bah c'est tout. Donc là on va mettre quand même les pneus mouillés, parce que dans les pneus secs c'est mort les gars, la rainure. Accélération maxi, on va le garder, un tout trou, oui, suspension. Bon, on va faire comme ça, on va passer. Ah oui, le temps se gâte déjà. 5, 4, 3, 2, 1, go. On a à peine commencé, regardez la formation de boue. La voiture est morte en l'espace de 50 mètres quoi. 3 à droite. Angle droit à droite. Je suis content d'avoir mis les pneus de pluie parce que là avec les pneus secs on était mort. 2 à droite. 5 à
7 à droite, 4 à gauche et angle droit à gauche. Voilà, là l'accélération forte il va la falloir. Hein. Angle droit à gauche et 3 à droite. 1 à droite et 95 à gauche. Pas grave, c'est quand on prend un arme et qu'on glisse en fait en réaccélérant sur lui, on est déporté de l'autre côté en fait. Et du coup, comme on est déporté, et ben, on part à l'autre sens du coup, à taper de l'autre côté, on perd encore plus de temps. Oh là là, regardez à quel point elle galère à accélérer là. Voilà. Petit, ouais, le petit orage aussi. Les éclairs. Encore on est sur PC donc vous voyez c'est assez progressif au niveau du brouillard. Et sur PlayStation ça l'est un peu moins. Du coup on voit vraiment pas grand chose. Souvenir on va aller un peu sur les hauteurs après. Ah, peut-être pas dans cette spéciale mais la suivante. Ah ben on y est déjà, en train de monter, regardez. Un peu sur les volcans. Indonésie, niveau volcan, il y en a beaucoup. Épingle à droite. Il y a beaucoup de tremblements de terre. Éruption volcanique là-bas. Ah, j'essaie juste de pas tomber. Angle droit à gauche. Ah, j'adore l'angle droit qui est passé en plein milieu. Voilà. Bon, j'ai 8 secondes d'avance, ça se passe super bien pour le moment, donc j'en profite. Comme je l'ai dit dans ce jeu, il faut être posé, il faut être méthodique, il faut, voilà, il faut attaquer toute la vague, n'a aucun intérêt, c'est pas du tout efficace, il faut vraiment anticiper, quitte à être plus fluide en fait dans les passages de courbe, 14 secondes. Voilà, c'est en gros, plus vous êtes énervé, plus vous allez faire des bêtises, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, de souvenir hein, sur la première la série qu'on avait fait sur Player. Et si on commence à plus se concentrer, eh ben on fait vraiment n'importe quoi. Oh, vous avez vu la gerbe d'eau quand on est passé. Super bien fait. Hein. Pour l'époque. Oh, j'adore cet effet quoi. Non, c'est tout bête, hein, mais je crois que ça rend super bien. Il me semble qu'en passant dans l'eau, en plus, ça nettoie la voiture. C'est vrai qu'on a moins de boue. Je gère ça. Oh là là, ce passage est magnifique. On est marré là. 4 à droite et 5 à gauche. Je reste contemplatif de ce jeu. Franchement. Et 9 secondes seulement. Par contre, j'ai perdu de l'avance dans la fin de session. Enfin, fin spéciale. Alors, du coup, bon, on a pris de l'avance toujours sur les dots, donc ça c'est bon. Yeti, Burns, McRae, Baklou, Sainz, Thierry, Kankunen, Steen. Et regardez Steen qui est juste à. Une seconde de la première groupe A, incroyable. Et le temps d'Yati qui est de 10 minutes pile. Bon là on a quand même pas mal d'avant donc ça devrait le faire je pense pour la suite. Et là regardez c'est la nuit, alors là c'est le pire. Pire des schémas qu'on puisse se taper. 3, 2, 1, la pluie, l'Indonésie et la nuit. Tant vous dire qu'on voit que dalle. Déjà, ouais, on l'avait vu, j'ai même pas pris de point hier. C'est toujours dans ces conditions qu'on ne sait pas s'il y a triche ou pas, parce que nous, on est vraiment impacté par la luminosité. Mais les IA, normalement, n'ont aucun impact, puisqu'elles ne voient rien en fait, c'est juste des passes qu'elles utilisent.
pense qu'il doit peut-être ralentir les IA légèrement. S'ils ont bien fait leur job. Oh là là, c'est scandaleux. Angle droit à gauche. 5 à gauche. 2 à gauche. Alors si vous voulez augmenter la difficulté du jeu, vous pouvez mettre le mode difficile évidemment. Parce qu'on a un intermédiaire, je rappelle. Mais on pouvait aussi supprimer les flèches, c'est-à-dire faire tout à l'oral. J'ai fait exprès, hein, vous avez vu, en temps d'enlever les partiels. Vraiment, ça fiche. Je trouve que ça fait beaucoup trop d'éléments à l'écran et je voulais profiter un petit peu du fait d'être sur PC pour avoir le jeu joli. Ce qui dit plus joli, bah, je voulais avoir le fichage le plus propre possible. On aurait même pu enlever carrément carrément l'affichage normalement des contours, le régime moteur et de la vitesse. Je crois que si on enlève ça, on enlève vraiment tout. Oh là là, regarde, c'est bloqué. C'est bloqué là. 1h à 20. Je crois qu'on peut pas faire plus compliqué comme spécial. Il manque plus qu'à avoir la même en Angleterre et là c'est terminé. Ah, je vois rien. Je vois rien à plus 100 mètres, hein, même pas, c'est comme l'épingle. L'épingle, je la prends à 2 à l'heure, regardez. Je pense que je perds tellement de temps. J'ai bien fait d'avoir beaucoup d'avance avant. On se voit pas dans ton radar des fois. Ouf, on a perdu 9 secondes. Ah dis non, bah tout le capital a gagné la spéciale précédent, 0. Alors du coup, Celiati hein, qui a fait le meilleur temps. Macré, Burns, Baklunino, Yokankunen, Bruno Thierry, Sainz, Menus, et toujours hein, cette petite seconde d'écart, on dirait qu'ils le font exprès. Hein. Jamais pouvoir passer devant les gros pas. Regardez le ralenti quoi. On voit que dalle, mais vraiment, moi je vois que l'écran noir quoi. Okay. Bon, on est toujours en tête. Par contre on est en tête de plus que 12 secondes donc il va falloir quand même faire gaffe. Bon, donc, on va passer à la suite. Bon, on va faire réparer les dégâts toujours. Ah, c'est une trick. Alors maintenant, au niveau des spéciales, on a matin, boue, asphalte poussiéreux et asphalte poussiéreux sable. Donc on va repartir sur les gommes normales. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est la spéciale du coup, 5 et 6, donc normalement c'est les dernières. Je sais plus s'il y a une super spéciale ou un donné. Ouh, ça fait du bien, c'est sorti de la nuit. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5 à droite et 5 à droite et. Vous avez vu la piste des fois, il y a un terre-plein central. Enfin, évidemment qui est creusé dans la boue, hein. C'est pas exprès. Et du coup, le fait d'être des fois côté gauche, côté droit, ça permet de mieux prendre la courbe. Angle droit à gauche.
Oui, je traverse à chaque fois la piste gauche à droite et on sent le mouvement de caisse. Non, faut que je récupère. Et voilà, et là c'est la grosse bêtise. Oh non, je vais pas me bloquer ici, sans déconner. Oh non, non, pas maintenant. Oh la vache. Et voilà, bah là du coup, oh là j'ai perdu, je sais pas combien de temps. Oh mon dieu les gens. Ouh là là, ça a piqué. 22 secondes de retard. Voilà, 22 secondes de perdu en l'espace d'une erreur. Alors on va quand même essayer de rattraper tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire. Ça va être compliqué quand même, mais bon. Parce que pas que je sois dans la pression, comme je vous l'ai dit. Ça va se concentrer. Allez, je vais me taire un petit peu, on va essayer de s'en sortir. Du coup j'ai pas pu rattraper beaucoup de temps dans la ligne droite. 2 à droite, 1 à gauche et 5 à droite, angle droit à gauche et 5 à droite, 2 à gauche, long 3 à gauche, sur arrivée. 22 secondes. Bon, j'étais kiff-kiff par rapport à eux, mais alors par contre j'ai pris 22 secondes dans la tronche. C'est de Renault, les deux Renault hein, qui sont derrière d'ailleurs. Et ben là regardez comment on va plonger au classement. Ah non, l'IATI n'a pas gagné, ça veut dire que les 22 secondes je les ai pas forcément pris sur l'IATI. Bah heureusement hein, parce que du coup... Regardez, on est deuxième. Il va rester qu'une étape je pense. Et on va voir si on va enfin gagner ce rallye de... Enfin, remporter ce rayon d'Indonésie ou pas du tout. 2 à droite et 3 à gauche. 2 à droite. 2 à droite et 1 à gauche. 1 à droite. 5 à droite. Ouh, attention, ça glisse pas mal. Hein. Ouh, vous avez vu le traîner. Non, 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 non. Ah, oh, c'est pas le moment, sans rire. Ah, le grip sur le sable est vraiment très très faible. Vous avez vu, j'ai freiné longtemps avant et la voiture elle a continué de glisser pendant un temps infini. 4 à droite. 3 à gauche. 1 à droite et 2 à gauche. Long 3 à droite. 3 à gauche. À droite.
à gauche. 5 à droite, salut. 4 à droite sur crête et 3 à gauche. Long 2 à droite. Long 1 à gauche, se resserre. 3 à droite. 2 à gauche. 3 à droite. 1 à droite, se resserre sur crête et 4 à droite. 3 à droite. Sur arrivée, excellent. Et nous ne gagnerons pas le rallye d'Indonésie, voilà. Pour une erreur. Une heure et une seule erreur. Alors c'est... Oh attendez! Attendez, ici... Oh attendez. Macré, c'est Macré qui a fait le meilleur temps. Backlund 2ème, Burn 3... Eh non, on va quand même le perdre. Parce que regardez, Yati... On est devant Yati en fait. Et Yati, on lui a pris combien? Il lui a pris 1 seconde et 2 centièmes. On a les 2 secondes de retard, donc c'est mort. Et on va échouer le rallye d'Indonésie pour 2 centièmes de seconde. C'est... Voilà, bah écoutez, c'est la vie, hein. C'est la vie, qu'est-ce que je vous dis. C'est dommage, hein. Décidément, ce rallye, toujours un truc qui va pas. Ah, c'est dommage, hein, la petite erreur, là, on a perdu trop de temps. J'aurais dû faire une marche arrière plus vite pour prendre plus d'élan. J'aurais au moins gommé qu'à 5 secondes. Mais bon, là, tant pis, hein, c'est comme ça. Ouais, du coup, ben, on va terminer deuxième de ce rallye. Ce qui est pas trop grave, hein. Vous pouvez voir le car au championnat, Yati qui est deuxième, c'est même pas marqué, ça prend pas. Du coup, on est toujours en tête avec à peu près 32 points d'avance, donc voilà. Ça va bien se passer pour l'Angleterre. J'ai pas eu le classement final d'ailleurs avec Steam, mais je pense que oui, toutes les groupes ont fini. Enregistrer bien sûr la partie et on se retrouvera du coup pour la suite, le rallye d'Angleterre sur ce jeu Colin McRae sur PC. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour la fin du championnat. Ciao tout le monde.